Et pour parler de la campagne de vaccination qui sera lancée, nous retrouvons à Paris Joël Ruet, économiste au CNRS et président du collectif de Bridge Tank. Monsieur Joël Ruet, bonsoir. Alors, le Maroc a annoncé ce lundi une campagne nationale de vaccination, une opération qui fait suite à une stratégie multifactorielle qui a été mise en place dès le début de la pandémie. Comment est-ce que vous jugez l'action menée par le Royaume? Je crois que vous avez raison d'abord de rappeler qu'il faut inscrire la campagne qui s'annonce dans une séquence, puisque le Covid, c'est une maladie qu'on a découverte par étapes, etc. Et je crois qu'il y a eu une préparation au Maroc. Dès le début, le Maroc a été précurseur. Il a été rapide dans ses décisions, j'allais dire, de confiner. On en voit les bénéfices. Il y a eu une claire distinction au niveau mondial entre les pays qui ont confiné rapidement et ceux qui ne l'ont pas fait. Le Maroc a été rapide dans ses mesures économiques avec un fonds d'appui. Il a été rapide aussi, je voudrais saluer la communauté des médecins du Maroc qui ont mis en place des protocoles qui ont permis de garder les malades à la maison. C'est très important pour éviter la congestion des hôpitaux. Et donc là, j'allais dire, le Maroc est précurseur. Il est ce qu'on appelle primo-vaccinant. Il va faire partie des premiers pays au monde à attaquer la nouvelle vague contre la vague de Covid, la nouvelle vague de défense, et c'est très important qu'il y ait des pays qui aient, j'allais dire, cette organisation, ce courage politique, cette logistique et puis cette adhésion populaire qu'on imagine parce qu'on sait que dans plusieurs phases de son histoire, le peuple marocain a adhéré à des initiatives qui allaient dans le sens du bien commun. Alors, vous l'avez dit, le Maroc fait partie des pays précurseurs, les premiers pays à avoir adopté une stratégie nationale de vaccination. Dans quelle mesure cette opération peut contribuer à lutter contre cette pandémie? Dans une mesure très forte, c'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui qu'il va y avoir, il y a une deuxième vague, il peut y avoir une troisième vague, etc. Donc il faut de nouveaux outils. Le vaccin est clairement l'outil qui va être le plus important. Il va y avoir des générations de vaccins, les vaccins vont s'améliorer, etc. Mais c'est important de ne pas décaler. Donc premièrement, en commençant tôt, ça contribue. Deuxièmement, ça contribue évidemment au niveau national. Et ça va contribuer au niveau national, d'abord pour les gens qui se... J'allais dire vaccinent eux-mêmes, mais en se vaccinant, eh bien, ils protègent les autres. Et au niveau international, il va y avoir une contribution puisque ça va diminuer les poches de résistance du vaccin, mais également, et vous l'avez souligné dans vos sujets, l'OMS accompagne la campagne de vaccination. Et ça, c'est très important parce qu'après les campagnes de vaccination, il y a tout un tas de remontées cliniques qui sont très importants pour améliorer la compréhension de la maladie et améliorer les prochaines phases de vaccin. Donc en fait, Emmanuel Macron, mais aussi le gouvernement du Maroc, parlait de bien public mondial. Eh bien, il y a, quand un pays contribue, les retours d'informations qu'on obtient sont utiles pour l'ensemble de la planète. Joël Ruet, je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du collectif de Bridge Tank. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.